essaie d'embellir les objets de notre quotidien pour les rendre plus beaux, pour leur donner une forme qui va créer une émotion positive dans nous, comme de la joie, de la gaieté. Puis ça, ben, ça vient combler des besoins de beauté dans nous, besoin d'harmonie, besoin de paix. J'essaie de réunir tout ça pour faire qu'on ait un environnement très agréable à vivre. C'est ça mon but. La nature est pleine de vie, pleine de vitalité. La nature part d'une graine, puis elle se déploie. Puis on dirait que c'est ça que je veux faire avec mes œuvres. Je veux qu'ils se déploient, qu'ils prennent vie, puis qu'ils deviennent fluides, puis qu'il y ait comme quelque chose à dire. Dans mon travail d'ébénisterie, par exemple, on le voit dans mes bols, puis dans mes ustensiles, qui sont très légers, qui ont vraiment des belles courbes fines, délicates. Puis pour moi, c'est important, cette délicatesse-là, ça nous permet d'être plus en harmonie, puis d'être plus doux avec ce qui nous entoure, puis de créer une expérience, de se nourrir, qui crée une expérience agréable. Fait que le fait d'avoir des objets qui sont beaux, harmonieux, sensuels, ça nous met dans une expérience comme ça. Puis c'est un peu la même chose parce que je fais aussi de la danse improvisation contact. Puis quand je danse avec un partenaire, bien, c'est d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de où on est nous, puis c'est un peu la même chose dans la danse, puis dans l'expérience culinaire, puis aussi dans mon expérience de fabriquer carrément les bols ou de creuser les cuillères, par exemple, quand je fais de la sculpture. Il y a quelque chose de semblable entre la danse et la sculpture et le travail du bois.